On ne rentre pas, personne ne bouge. Personne ne rentre en cours. Allez. Nous sommes donc en direct sur la page Facebook de France 3 Corse UST. Depuis ce matin, un mouvement devant le collège Arthur Giovogne, avec nous Monsieur Louchard, Jean-Paul. Expliquez-nous donc ce matin. Il y a des élèves de 4e, de 3e qui nous ont prévenu il y a 48 heures, 3 jours depuis vendredi, que lundi matin ils feraient un blocage symbolique parce qu'ils estiment que le protocole du coronavirus n'est pas assez soutenu, qu'il n'est pas assez précis, qu'il y a des mouvements de groupe, que ils se sentaient en danger, qu'il y avait des angoisses et des peurs qui ressurgissaient. Ça a duré depuis 8 heures ce matin. Là, on voit les grilles viennent d'être ouvertes. Ils sont là depuis 8 heures ce matin, 8 heures moins le quart, mais ils ont commencé à mettre en place symboliquement. Bon, on a été là, nous les parents, un peu pour pas qu'il y ait de débordements, d'accidents, de choses comme ça. Il y avait aussi même des forces, des membres de l'ordre, de la police qui étaient là. Donc à partir du moment où les choses, il n'y a pas eu d'excès de poubelles, de feu, d'accidents, c'est le plus important. Voilà, mais il fallait qu'ils soient entendus, il fallait écouter leurs paroles. La crainte, c'est que justement le protocole ne soit pas respecté, que du coup il y ait une pandémie qui se développe. On est surtout dans la projection de beaucoup de paroles, beaucoup de choses qui ne sont pas du tout dans la réalité respectées. Parce que bon, 35 élèves dans une classe où il n'y a pas de climatisation, puis non seulement où c'est aéré aléatoirement et que c'est nettoyé aléatoirement, les poignées ne sont pas nettoyées tous les 5 minutes, je doute bien qu'ils n'ont pas le personnel pour, mais comme je vous dis, il y a quand même des enfants qui se sentent un peu perdus, qui ont peur pour leurs parents qui sont fragiles, qui sont malades, des gens qui sont en difficulté médicale, ça faut le concevoir aussi. Ces enfants n'auront peut-être pas le coronavirus, par contre ils sont les porteurs et les vecteurs. Donc à un moment donné, ça met en danger toute une population. Alors où on fait les choses comme il faut les faire, on fait des propositions comme on a fait au lycée, on peut le faire aussi au collège. C'est pas plus difficile et ils comprennent tout aussi bien. Je vous remercie. Si c'est moi, monsieur. Comme vous avez pu l'entendre, M. Louchard qui réclame des mesures supplémentaires, s'apparentant à celles mises en place dans les lycées. On va aller voir un représentant des élèves. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, on est en direct sur la page Facebook de Viastel. Si vous pouvez juste vous présenter, votre nom, prénom, titre. Alors, Franck Borgomano, et je suis délégué des parents d'élèves au collège d'un syndicat. Donc là, on a parlé avec M. Louchard, qui lui n'est pas représentant des parents d'élèves. Votre Monsieur Louchard, qui était avec les enfants. Il n'est pas représentant des parents d'élèves, il n'est pas élu. Donc en fait, il y a deux syndicats avec des personnes qui sont élues. Ce monsieur n'est pas élu, du moins au collège, pour ce que j'en sais. Votre vision, vous, de ce mouvement, ce matin? On est en désolidarisation totale, les deux syndicats, avec ce mouvement, puisque, un, on n'a pas été prévenu, et deux, on était au CA de l'école pour vérifier un petit peu comment se passaient les contraintes sanitaires. Je pense que, sincèrement, sur Ajaccio, c'est dans des collèges qui les appliquent le plus. Alors après, effectivement, le Covid est compliqué et c'est dur à gérer pour tous. Mais par contre, ici, au niveau de la cantine, par exemple, c'est des demi-groupes. Les tables sont mises avec des enfants qui sont assis en diagonale, ils changent. Il y a vraiment une tentative poussée pour respecter ce que demande l'éducation nationale. Mais vous pouvez comprendre que certains parents s'inquiètent. Mais tout le monde peut s'inquiéter au niveau du Covid. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, je sais que les lycées vont passer en demi-groupe quasiment. Peut-être que les collèges vont l'appliquer, et ça sera certainement laissé au ministère de le décider. Ici, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des prises de décision principales, elles sont cohérentes avec les protocoles qui sont demandés. Je vous remercie. Bien fait. Thank you.
Voilà, un mouvement, comme le disait M. Louchard, plutôt symbolique. C'était une heure, histoire de manifester une crainte avec nous. Le chef d'établissement, si on peut juste vous embêter deux minutes, on est en direct sur la page Facebook de Viastel. Vous comprenez ce mouvement, ces craintes? Alors, qu'il y ait des craintes, ça peut s'entendre, mais je pense que vous pouvez venir constater dans l'établissement toutes les mesures qu'on met en place pour le protocole. Hein. Donc ça commence d'ores et déjà à l'entrée avec la mise à disposition du gel et tous les élèves passent au gel. Nous avons mis en place également le principe d'une salle, une classe pour éviter le brassage des élèves. À l'intérieur de chaque salle, il y a à disposition encore une fois du gel hydroalcoolique. Nous avons aussi bien sûr tous les points d'eau pour que les élèves puissent se laver les mains très régulièrement. Hein. Et je peux vous inviter aussi à voir de la manière dont on a organisé la salle de réfectoire pour que les élèves soient assis simplement deux par table et par groupe classe. Est-ce qu'on peut, ceci étant, est-ce qu'on peut, suite à des craintes qui des fois peuvent aussi être légitimes, envisager que le protocole mis en place dans les lycées s'étende au collège? Alors, bon, là, c'est pas de ma responsabilité. Après, je pense que, bon, tout est possible. Hein. Il faut fermer la porte à aucune solution. Mais je peux vous dire que d'ores et déjà, toutes les mesures sont prises au sein du collège et au collège Arthur Jovone en particulier. Donc, je peux vous inviter à venir voir comment on travaille. Merci. Je vais vous laisser parce que je sais que vous êtes très occupé ce matin. On fera un reportage bien plus complet qui sera diffusé en partie dans le Corsica Prime et ce soir dans le Corsica Zer. Voilà, je vous rappelle, on était en direct sur la page Facebook de Viastel ce matin. Un mouvement de certains parents d'élèves. Alors, on a vu des représentants des parents d'élèves qui étaient pas de cet avis, d'autres qui étaient pour. De crainte de parents d'élèves pour la santé de leurs enfants et aussi par ricochet la leur. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt sur la page Facebook de Viastel.